Oui, bien sûr, Xavier, on se voit ici de 16h, bien sûr. Oui, c'est bon, je suis dans le VTC, là. Un VTC partagé avec un inconnu, là, ouais. Estelle ? Non, je ne lui fais plus confiance. Non, depuis que je lui ai avoué que mes parents allaient me léguer leur fortune de 200 millions. Oui, en plus, ils ont acheté une grosse île privée, là, mais ouais. Ah, je sais pas, laisse tomber. Alors, on va où, comme ça ? Bonjour ! Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va ? Eh, mon gars, on va pas te faire de mal, donne-nous juste le numéro de ton daron, c'est bon, quoi ? Non, jamais ! Eh, gros, donne-le, sinon on coupe la tête. Non, je ne céderai pas face au terrorisme de masse ! C'est pas très beau, hein ? Ouais. Et vous savez, quelque part, moi, ce temps, ça me rappelle un peu mes premiers rêves, mes premiers amours, aussi mes premiers désirs. C'est vrai que j'ai un peu ressenti des choses sous la pluie. Ouais, c'est la super, pluie, ça excusez-moi. On peut faire un tout petit détour, s'il vous plaît ? J'ai oublié de récupérer un truc. C'est juste à côté. Y'a pas de souci. Y'a pas de souci, on n'est pas pressé. Ça sert à rien d'être pressé. Moi, je dis, dans la vie, à quoi bon être pressé ? Être pressé, ça ne rapporte rien de bon. T'es dissipé, toi, concentre-toi. C'est quoi ? Donne-moi ton téléphone. C'est quoi ? Donne-moi ton téléphone. C'est vrai que là, tout se perd en ce moment. Tout se perd. On est dans une sorte de. C'est juste là. C'est juste là. D'accord, ça marche. On est dans une sorte de crépuscule et de. C'est vraiment la montée de quelque chose de différent. C'est vrai. Avant, moi, par exemple, je ne ressentais pas toutes ces émotions, tous ces. Et là. Attends. Il a pété l'enculé. Mais gros, c'est pas le moment, tu joues à quoi? Comment ça c'est pas le moment? J'ai stressé, j'ai dû évacuer. Non mais on m'évacue quand les fenêtres sont ouvertes. Et la pollution dans tout ça? Dans leur manière de faire, on peut y aller. On peut y aller, on peut y aller. C'est génial. Vous avez été rapide, hein, dis donc. Mon gars, déverrouille ton téléphone. Non, jamais. Déverrouille, ouais, déverrouille. Libère, gros, libère. Non, j'ai dit non. Tout change, en fait. Que tout change. Attends, excusez-moi. Putain, j'ai oublié. Je dois donner les médicaments pour mon chien. Y'a pas de soucis. En plus, il est malade. Oh, mais y'a pas de soucis encore, le pauvre bichon, bien sûr, on va y aller. Ah, moi, je vais pas me plaindre, c'est mon métier. Moi, je suis quelqu'un de très jeune, je suis dans l'action. Eh, gros, attends, tu sais quoi? On prend sa tête, on rapproche le téléphone, ça va le déverrouiller. Viens, mais t'as couché ici, vas-y. Ramène ta tête, déverrouille. C'est bon. Moi, par exemple, là, j'ai 40 ans, on peut penser que je suis plus tout jeune, mais en fait, si, je suis un jeune petit oiseau. Vous voyez? Un jeune petit oiseau. C'est ça, j'adore. Je suis quelqu'un de assez simple, en vrai, quelque part. J'aspire à la simplicité et j'aime beaucoup ça. Alors, monsieur, bonjour. Nous avons votre fils. Si vous voulez le récupérer, nous avons besoin de 500 000 euros en petite coupure ou alors en virement. Mais c'est... Oh, gardez-le. Tonton, je vis mes expériences au jour le jour. Oh là là, putain. N'en dites pas plus. Oh, merci. Mon brave, n'en dites pas plus. Merci. On y retourne. Donc ce que je disais, c'est que la jeunesse... Bon, je ne vous ai pas tout dit, mais mes pères m'ont déshérité, car ils estimaient que je ne voulais pas. Du coup, j'habite à chez... Eh, vas-y, sors, casse-toi. Je suis très proche d'eux, parce que je les trouve super adorables, mais quelque part, je me dis, mais qu'est-ce que vous allez faire de votre vie, voilà, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est vrai qu'on se demande, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là. Et moi, personnellement, je reste quand même assez proche d'eux, je les sens assez vulnérables, assez craintifs, et j'ai l'impression qu'ils cherchent, en fait, quelque chose pour se sentir un peu mieux, en fait, dans leur vie. Putain. Tu sais, au moins cette expérience nous aura permis de... Ça fait plusieurs fois que je t'ai dit de fermer ta gueule quand tu t'exprimes. Ça fait plusieurs fois. Joue avec moi, tu vois. Alors, on va où comme ça? En voiture, Simone! Pelle, c'est moi qui pleure! Qui t'a dit de monter dans la chop-chop? Donne mon fils et ferme à la porte! Parle pas